Voilà. Nawel Ben Karaïm est tunisienne. Et tu sais qu'est-ce qui se passe en Tunisie en ce moment? Raconte-moi, Il khabarni. y a l'État tunisien qui veut mettre au diapason tous les Aden. Au même diapason. C'est-à-dire au Mais même diapason, voilà. comme au Au même... Caire. Mais ils sont Ouais. déjà enregistrés, nous, la plupart du temps. Mais au moins, c'est juste parce qu'il y a des pays où il y Ah en a oui. plus ou moins. Ah oui, on a Allah! 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 Oh, calmez-vous, oh, Rémi Chouïa. Alors, je sais que pour certains, c'est un sacrilège la cassette, mais nous, c'est souvent comme ça, et du coup, ça crée un truc un peu plus Ah homogène que oui. ce que tu viens de Ah oui, décrire. Je te demande un truc, tu sais faire l'adhan? Non, je sais pas, je sais pas. Quoi, c'est très joli, Moi, je l'adhan. sais le faire. Non, toi, parce que je te demande toi, en sculpture. Écoute, on va t'appeler pour la sculpture de Bouter. J'ai lu un truc, je t'ai dit, j'étais un peu occupé aujourd'hui. J'ai lu un truc, t'as joué avec Orange Blossom? Oui. Ça, tu sais que c'est un groupe pour moi. Ouais, c'est un beau, c'est vrai que c'est un très beau groupe. Après, moi, j'étais, enfin, ils tournaient énormément, donc ça m'a énormément appris au niveau de la scène et Ouais. tout. Mais je reprenais le répertoire de Leïla, qui est leur chanteuse. Oui. Donc c'était pas, Leïla Bounous. oui, voilà, c'était pas un groupe dans lequel j'ai mis ma patte d'écriture ou de mélodie, mais c'est un groupe qui m'a donné beaucoup d'énergie, puis même d'envie voilà, d'une esthétique un peu plus électro que ce que je faisais avant. T'as vu un Al Bahat Ouais. Ah oui, c'est les deux là, quand je vois. Tu fais pas de rap, hein, tu fais. Bah, du coup, ça m'arrive comme ça pour le clin d'œil, quoi. Mais... Ouais. Parce que vraiment, un Al Bahat Bah oui, c'est pour ça oui. que tu l'accompagnes. Bah oui. Aujourd'hui, il a pas ramené sa guitare. On et reviendra. Voilà, voilà. J'espère vraiment. Oui, hein. plaisir. Si tu as un concert quelque part, etc. Alors, tu... Oui, alors, avec Nawel, on sera le 11 avril prochain pour la soirée Foukaha à l'Antipode. Le 30 mai à Paris, aux Étoiles. Pour les Suisses, ce sera le 20 mai à Genève, en première partie de Slimane. À 20 avril. À 20 avril, pardon. Pas 20, merci. 20 avril à Genève. Et le 19 à Saint-Quentin, à 2 heures de Paris, en première partie de Arcadian. Arcadian. Et le 30 mai aux Étoiles. Le 30 mai aux Étoiles le à Paris. Le 30 mai aux Étoiles. Et vous serez en groupe ou en duo ou, Le ça 30 mai, dépend. c'est au complet. C'est vraiment une présentation du nouvel album sur lequel j'ai travaillé cette année. Broc avec la signature, au en fait. Merci. Avec Capital. Ouais. Universal. voilà, du coup, ben, j'ai travaillé avec eux du coup cette année. Ouais. Et le premier single, c'est celui que vous venez d'écouter. Donc l'album n'est pas encore sorti, mais le 30 mai sera une présentation des titres de l'album. Super. Toi, tu as une actualité Il en a plein, lui. Sofiane Saïdi, Bania. Le 11 avril à Foukaha. On a un concert avec Bania le 13 avril. J'ai du mal avec ce mois. Et le 18 avril à Alger avec Bania.